la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, d'ici feu Nelson Mandela, ex-président sud-africain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'éducation de ce mercredi 27 avril 2022 de l'indépendance du Togo. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant. 62 ans après l'indépendance du Togo, quel système éducatif? Coach Esso Kapwen Akleso, président national de CTLV. Et bonsoir, mon coach. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de JCTV, également à tout le personnel, tout en n'oubliant pas les techniciens. Et toi-même, bonsoir. Bonsoir, comment va CTLV? Comment vont les étudiants du consortium? Nous allons tout ça à merveille. D'abord, il y a un programme de formation qu'on a entamé depuis un mois qui m'épuise énormément. Donc, tout le monde est à pied d'œuvre pour changer les mentalités. D'accord. Nous allons aller très rapidement. Et l'indépendance est plus qu'un mot. C'est une dépendance de la liberté comportementale, déclare Marama Mustapha, psychologue, artiste, comédien et metteur en scène tchadien. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, je me dis que si la cette déclaration, c'est juste pour dire que tu dois te dépendre de ton propre choix, de ta volonté. C'est se départir de ce que quelqu'un d'autre puisse te faire. Parce que il dit que l'indépendance, c'est la dépendance comportementale. Donc, tout doit venir de toi, tes attitudes et de ton agissement dans la société. C'est en cela qu'il fait allusion. D'accord. Je vais rappeler la déclaration à nos téléspectateurs. L'indépendance est plus qu'un mot. C'est une dépendance de la liberté comportementale. Donc, le coach vient de commenter cette déclaration. Nous allons aller très rapidement. Bien avant d'aborder le sujet du jour, faisons un clin d'œil aux apprenants. Il est déjà 14 heures dans nos locaux ici dans ce studio et les élèves aussi sont déjà dans le dernier virage et de l'année académique en cours. Une phase décisive pour pouvoir avoir une année réussie. Et dites-nous, dites-leur quelque chose, et monsieur Akleson. Si j'ai quelque chose à dire aux élèves, surtout ceux qui ont des examens passés, de ne plus trop se mettre la pression dans les derniers moments, parce que ce n'est pas au dernier mois qu'il faut quand même veiller pour apprendre son cours. Il y a un programme établi. Si tu le suivais depuis la rentrée jusqu'à présent, tu ne feras que lire. Et de ne pas se gêner à aller veiller, tout ça. Ils mettront du stress sur leur tête, sur leur cerveau. L'examen ou la n'est qu'une autre composition que tu fais dans un autre cas différent de ton établissement. Donc ils le prennent ainsi, c'est comme on fait le devoir. Et mieux encore, l'examen des fois est plus facile que le devoir et la composition qu'on fait dans le tableau. Donc, de le prendre comme ça et sans pression, il peut s'en sortir. Mais on a l'habitude de nous dire, et surtout pour les élèves de CPD, ceux qui sont en classe de CM2 et ou bien ceux qui sont en classe de... Bon, généralement, tous les candidats, quand tu n'as jamais passé à un examen, il y a le stress, tout ça là. Et c'est ça qui fait qu'on est tellement... On a peur, on a le stress, on ne sait pas comment, quoi faire. Donc, c'est pour cela que vous, en tant que coach, et quand vous intervenez aussi dans ces domaines, vous avez souvent ce contact facile avec eux, vous les rencontrez, vous parlez avec eux. Donc c'est pour cela que quand eux ils vous écouteront sur cette chaîne, ils sauront que bon voilà, et nous avons notre grand frère, notre ami, et qui est en train de nous motiver, qui nous donne les directives pour que nous réussissions cette année. C'est pour cela que je vous ai fait parler tout à l'heure. J'ai d'abord aimé le fait que tu m'as posé la question. C'est pourquoi je dis, nous avons même un emploi du temps qu'on donne, que quand tu respectes, on donne ça aux élèves gratuitement, quand tu respectes jusqu'à la fin de l'année, vers mai,
juin, tu as déjà le cours dans la tête, tu ne feras que lire. Et ça met moins de pression sur l'élève. C'est pourquoi on leur dit, je ne sais pas pourquoi certains professeurs, au dernier moment, avec les rattrapages ou bien, comment ils appellent ça, ils font des révisions, c'est ce que révision, je dis. Ouais, les révisions dont on passe, ça doit être individuel pour que l'élève s'en sorte. Maintenant, quand il a son programme pour apprendre son cours, on lui ajoute ce que le professeur fait et l'élève n'arrive pas à se retrouver. Parce que quand je vais en examen, je dois avoir un programme approprié à moi-même pour le dernier mois de l'examen. C'est en cela, comment il faut apprendre telle leçon par rapport à comment on aura à faire l'épreuve, les épreuves plutôt. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est nouvelle pour eux de l'écouter. Et ça fait au moins 7 ans qu'on est en train de former les gens dans le domaine pour avoir moins de stress lors des examens. Merci. Et nous enchaînons en même temps avec cette question. Qu'est-ce que l'indépendance réellement? L'indépendance, c'est comme ça vient, c'est l'opposé de la dépendance. Donc, c'est l'opposé du verbe dépendre. Donc, ça veut dire que tu es autonome toi-même. Tu fais tout de toi-même. Et tu le faisais sur le plan financier, sur le plan social, et comme individu ou État, sur le plan politique également. Donc, il y avait un moment où nos pays ont été colonisés. Donc, l'indépendance est venue pour que nos pays s'auto-dirigent, s'auto-financent et s'auto-administrent eux-mêmes. Donc, c'est dans cette perspective que nous parlions de l'indépendance dans la vie des États. Mais dans la vie des individus, on peut dire aussi quand tu as l'âge majeur, tu n'es plus dépendant de tes parents, tu es indépendant. Donc, tu feras tes choix. De toi-même, ce qu'il faut aller payer, ce qu'il faut manger, et pour se marier, même tu feras ce choix sans forcément demander l'argent ou l'appui financier ou technique des parents. Donc, l'indépendance, c'est le libre choix en tenant compte de tes capacités et tes facultés idoines pour le faire. D'accord. Et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez saisi ce que le coach vient de dire par rapport à cette définition, parce que nous sommes à un moment très précis pour cette nation. Et cette date, ce mercredi 27 avril 2022, tout le monde, vous tous, vous le savez que c'est la date de la commémoration de l'indépendance du Togo, une date très importante pour cette nation dans laquelle toi et moi, nous vivons. Mon coach, 1960-2022, le Togo commémore ses 62 ans d'accession à l'indépendance. Comme à l'accoutumée, je vais vous demander humblement de souhaiter un joyeux anniversaire au pays. Joyeux anniversaire à toi, le Togo, cher patrie et ma nation. Je souhaite que les prochaines années, tu puisses quand même intervenir pour que tes fils et filles puissent vivre dignement en n'ayant pas au coup la cherté de la vie, le chômage, l'inquiétude, la peur, le saignement financier. Il faudrait que ces choses soient vidées de nos vies et que nous vivions enfin ce que chaque Togolais puisse avoir les 3 repas par jour. Pourquoi pas contribuer efficacement au développement du pays. Voilà mon souhait pour le Togo. D'accord, merci. Et l'éducation est un élément très important, très fondamental dans la construction et le développement d'un État. Certains actes de nos frères et sœurs nous poussent aujourd'hui à nous interroger si cette nation est vraiment indépendante. Un commentaire. Oui, je le dis, j'ai dit, nous sommes indépendants depuis 60. Nous le sommes. Ce que les gens ne comprennent pas au niveau de l'indépendance, dans les années 40 jusqu'à 59, quand vous demandez à vos grands-pères, ils vous diront que même pour manger, le blanc doit décider ce que tu dois manger. Pour t'habiller, le blanc doit demander cela. Et même pour travailler, ce qu'on appelle les corvées, travaux forcés, c'est le blanc qui t'oblige à faire cela. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les maçons, quand ils vont sur les chantiers, ils sont payés. Il y a les couturiers, les tailleurs, je veux manger, il y a des restaurants, je vais là où je veux, je mange ce que je veux. Du moins, cette indépendance sociale, nous l'avons. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'indépendance financière, étant donné que nos pays même tendent la main chaque fois aux Occidentaux, nous n'avons pas cette indépendance financière. Et d'une certaine manière aussi, l'indépendance politique aussi, nous n'avons pas, étant donné que nos chefs d'État sont décidés ailleurs. C'est ça le problème. Donc, moi, je me dis que
même s'il faut baser notre indépendance sur l'éducation, on n'a choisi que l'éducation savoir, où on nous apprend à mémoriser les savoirs, surtout ceux qui viennent des Blancs, les mathématiques, l'histoire, tout ça là, sans nous apprendre réellement qu'est-ce qu'il faut pour développer nos villages, nos nations. C'est ça le problème. Si on nous avait appris l'éducation au début, l'éducation de manière générale, parce qu'il y a l'éducation des valeurs, il y a l'éducation du citoyen, il y a l'éducation esthétique. Si nous avons fait tout cela, on devait déboucher de l'eau sur tous les plans et on devait voir ça dans la vie des gens. Donc c'est ça qui fait que ça paraît comme s'ils ne sont pas indépendants. Même le fait que tous les Togolais ou Africains, pour eux, leur summum, c'est d'aller en Europe pour se chercher. Mm-hmm. Vous voyez, les gens ne rêvent pas que dans le pays, on peut quand même réussir. Et que le pays aussi ne fait rien pour que les gens croient le contraire. Donc, c'est ça qui fait que jusqu'à présent, on pense qu'on n'est pas indépendant parce qu'il faudrait que les Blancs nous financent. Même notre éducation est financée. Et combien de diplômés par mois ou par an a été décidé? Combien de fonctionnaires? C'est décidé par FMI et la Banque mondiale. Donc, les gens ont tendance à penser que, étant de recrute, c'est l'autre qui décide de ce que nous voulions. Nous ne sommes pas quand même indépendants. L'année passée, je pense qu'il y a eu un sommet de l'éducation en Italie où on décide en Europe de ce que le Togo doit faire dans de son éducation. Donc, c'est ça qui a été peut-être mal à l'aise aux gens. Et les gens disent que c'est comme si on n'est pas indépendant, mais nous le sommes. Je me suis habillé en portant ce que je veux. Mais dans le temps d'avant l'indépendance, tu t'habilles comme le colon veut, tu manges comme le colon veut, tu bois comme le colon veut, tu vas même au WC quand le colon le veut. Donc, on n'est plus à cette étape. Voilà, ça me fait rire. Je voudrais revenir sur cette question de l'indépendance. Et le pourquoi j'ai posé tout à l'heure la question là, nous savons, quand nous évoquons le thème indépendance, ce thème nous fait appel à beaucoup de choses. Il y a le civisme qui se trouve, il y a la citoyenneté, il y a le vivre ensemble, tout ça là. Oui, je voudrais qu'on vienne sur le civisme et la citoyenneté, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'une nation qui est indépendante et dans laquelle on ne va pas trouver, on ne va pas remarquer ces actes là d'indépendance et ces actes qui font qu'on puisse savoir que ceux-ci, voilà, et ils font usage des valeurs liées à ce thème que nous appelons entre guillemets indépendance. L'indépendance, comme tu l'avais dit, je l'ai déjà dit, nous l'avons obtenue. Mais si nous voulons comprendre ce que les valeurs citoyennes dont tu parles, arrêtez, quand on prend l'éducation, on a quatre types d'éducation. Il y a l'éducation au savoir, qui est ce qu'on nous a fait à l'école, et tout ça. Il y a l'éducation citoyenne, qui est d'apprendre les droits et devoirs d'un citoyen, plus les valeurs de la démocratie. Maintenant, il y a l'éducation esthétique, où on nous apprend la valeur du beau, comment aimer les séries, les arts, sur la menace. Il y a l'éducation du sujet, qui est le développement personnel. Donc, ce sont ces quatre composants qui constituent ce qu'on appelle l'éducation. Maintenant, comme je le dis, c'est l'éducation citoyenne qui a été mise à mal jusqu'à présent, où on n'enseigne pas aux gens leurs devoirs, on ne leur connaît pas leurs droits. Donc, les gens se comportent comme ce sont des éléments incontrôlés. Et c'est pourquoi on a des incivismes et qu'on soit là. Parce que si ça marchait, la mairie devait jouer son rôle et le citoyen devait jouer son rôle. Maintenant, la mairie se contente seulement à prendre les tasses et qu'on soit là. Donc, sans rien réaliser dans la vie des citoyens. Donc, les gens se disent, si tel est le cas, que je n'ai pas le droit de réclamer de la société telle que je contribue à la même société, alors là je vais vivre en autarcie et faire ce que je veux. C'est là où nous voyons des actes inciviques. Sinon, si tout marchait bien, que l'éducation citoyenne a été bien entretenue et bien enseignée, je pense que tout le monde se comporterait bien, parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de te mettre à mal à l'aise, parce que te mettre mal à l'aise, ça fait partie de l'incivisme. Tu as tes droits, j'ai mes droits. Et la loi dit que ma liberté s'arrête là où commence le tien, donc de la tienne. Donc, il faudra que je respecte les institutions établies par l'État et que l'État respecte également que j'ai le droit. Je dois droit à l'éducation, droit à la nourriture, droit à la sécurité, droit à la vie. C'est tout cela, c'est quand c'est réuni que le citoyen se sent à l'aise pour respecter tout ce qu'on appelle les devoirs citoyens. Voilà pourquoi le non-respect de nos droits
nous oblige des fois, ou nous force des fois, ou nous pousse des fois à également ne pas respecter ou ne pas accepter nos devoirs. D'accord. Et après les 62 ans de cette nation qui a son indépendance, bien évidemment, je voudrais que vous jetiez un regard analytique sur le système éducatif de ce pays. Oui, comme heureusement qu'on a déjà abordé l'éducation, le souci c'est qu'il y a système scolaire et système éducatif. Oui. Et le problème c'est le système scolaire qui est problématique. C'est quand je prends le système éducatif, on le verra dans l'éducation, savoir, comme je le dis, et le fait de l'apprentissage des connaissances qu'on nous enseigne ou à l'école ou scolaire, donc mathématiques, maths, physique, cela donc. C'est sur ça qu'on a basé les choses. Or, il y a les valeurs de la maison, des parents, de la société, de nos villages, qu'il faut quand même agir. Donc, l'éducation, il y a dans l'éducation instruction, il y a l'enseignement et il y a l'éducation proprement dit, ce qui vient ajouter, et je parle des valeurs des parents qu'on nous donne. Donc, le problème, on s'était trop basé sur l'instruction. Il y a également une différence entre l'instruction et l'enseignement. L'enseignement, c'est donner, transmettre des valeurs aux élèves, aux étudiants et tout autre citoyen. Mais l'instruction, c'est donner des valeurs, transmettre des valeurs aux élèves ou étudiants. Donc, ça veut dire que c'est le jeune qu'on doit transmettre ce genre de valeurs. C'est ce que l'instruction fait. Maintenant, quand on quitte l'instruction ou on va au niveau de l'enseignement, on élargit. Tout le monde peut être enseigné. Mais c'est là-bas qu'on a forcé des bases. On enseigne plutôt ce que le blanc veut et non ce que nos sociétés ont besoin pour qu'on évolue. C'est pourquoi, depuis longtemps, notre système éducatif qui n'a pas changé depuis 1979 ne fait que respecter le schéma du système éducatif français. Quand nous prenons, il y a enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Mm-hmm. C'est toujours comme ça. Mm-hmm. Alors que quand vous allez au système anglophone, c'est un peu différent. Il y a l'artisanat qu'on a mis au niveau primaire, où tu es au niveau de l'enseignement primaire, tu apprends également à fabriquer des choses, ce qui n'est pas chez nous. Nous, on nous apprend seulement à bûcher et puis venir déverser. C'est la recherche du diplôme qu'on a basé sur le cours. Ce n'est pas cela. Vous n'allez pas savoir que jusqu'en terminant, aucun Togolais n'est capable de fabriquer un produit à l'école. Même en obtenant le bac, il ne peut pas. Au même moment, quand vous voyez dans d'autres pays, même au Ghana ici, les gens fabriquent des savons. Chez nous également, quand je parle d'éducation, vous allez voir qu'il y a nos vieilles qui savent comment fabriquer le savon sans connaître la formule de fabrication de savon. Mais il y a nos étudiants qui sont là, ils connaissent la formule de savon, mais ils ne savent pas fabriquer le savon. Vous voyez que on fait tout au contraire. Tout se fabrique. Les huiles que nos mamans savent fabriquer, les étudiants ne peuvent pas le faire. Pourtant, ils sont à ESA et tout ça là. Ils ont la formule, mais ils ne savent pas comment le faire. Mais demandez, allez sur le marché. Ce que nous appelons communément ennemi, oui. Ou pour ne pas dire ennemi, oui. Il faut voir comment les mamans là, à partir des noix de palme, que les mamans là, a fait fabriquer des jupes, de 16 huiles. Au même moment, on a des 16 étudiants, malgré le fait qu'on parle de pénurie d'huile, qui ne sont pas capables de nous transformer 16 huiles comme on voit, comme des huiles importées, pour qu'on puisse le consommer. Mais oui, c'est allé jusqu'à 18 000, soit allé à 30 000, mais nous avons des étudiants qui sont en agronomie, mais ils sont incapables de nous fournir une huile pour que le prix soit bas. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est la faute à qui? C'est la faute à tout le monde. Ouais, c'est ce que je dis, c'est le système éducatif qui crée le problème là. Parce qu'on n'enseigne pas pour qu'on crée, mais on enseigne pour qu'on suit ce qui doit venir. Ouais, tout le monde est là pour sortir de l'université, chercher du boulot, alors qu'il faut sortir de l'université et créer du boulot. Oui, c'est ça le problème. Donc, le système éducatif du Togo a du plomb dans l'aile. Donc, ça ne se développe pas comme on veut. On a seulement développé l'éducation au savoir pour apprendre ce que le blanc veut, mathématiques, tout ça, là, alors qu'il y a d'autres éducations qu'il faut quand même enlacer, en chercher les trois autres éducations. Si le pays veut, on peut quand même rattraper la course ou prendre le train en marche en mettant en valeur les autres systèmes éducatifs ou les autres parties du système éducatif pour que demain, quand nos frères sortiront de l'université, qu'ils soient capables de fabriquer des choses et que nous les consommons. Il ne sert à rien de créer le monde de la consommation alors qu'il n'y a pas quelque chose à consommer. Non, ce n'est que le monde de la consommation qu'on nous montre des produits comme ça, mais il n'y a rien qui est créé. Si nous sommes vraiment, il y a de la consommation locale,
Oui, si c'est pour le pain ne veut pas augmenter de prix. On nous a appris dans ce pays que on peut fabriquer le pain à base du soja. Mais voilà, on a pénurie de pain, mais le soja ne nous fabrique pas du pain jusqu'à là. On a dit même qu'il y a l'huile de soja qu'on peut consommer. L'huile a pris de la valeur et il y a eu de la surenchère. C'est le moment de nous faire sortir l'huile de soja. On a dit que nous produisons de l'arachide au Togo, qu'on peut fabriquer. Donc, tout ce qu'on nous a dit, on nous a dit, à moins qu'on nous manque, où sont ces produits pour que le produit soit quand même moins cher. C'est ce que je dis. La consommation locale, c'est maintenant qu'on devait le sentir. Je parle même que c'est le mois dans le mois de l'indépendance qu'on devait sentir même la consommation locale. Voilà, en fait, l'indépendance, les gens n'ont peut-être pas l'huile à la maison pour frire des choses et consommer demain. Voilà, mais on est en période d'indépendance. Donc, que nos acteurs de la consommation locale réfléchissent mieux. Nous avons déjà un mois dédié. C'est pourquoi je dis le mois là ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on devait avoir l'abondance, la surabondance. Il ne sert pas, ça ne sert à rien de faire des appartements quelque part pour dire que c'est le mois de la consommation. Ou mettre une chambre, on doit sentir cela dans la vie des gens. Si moi, je dis, et même ma veste que moi je porte, c'est un chocolat qui coule. Moi, je consomme le local, mais est-ce que les mêmes personnes qui le font? Non, ils ne savent pas même comment aller prendre ces choses. Nos mangues sont là, mais promenez-vous pour voir dans quel supermarché vous verrez nos mangues. Mais allez même dans nos marchés, vous verrez des pommes importées que nos dames vendent. C'est quoi ils appellent consommer local finalement? Donc, je pense que tout est à revoir. Tout est à revoir, à réétudier. Nous ne disons pas que les gens ne font pas d'efforts. Mais il y a des postes dans lesquels, quand tu es, ce n'est pas pour l'effort qu'on t'a amené là. On t'a amené pour donner des solutions à des problèmes. Donc, voilà ce que je peux dire sur le système d'éducation du Togo. Et comme nous le sommes, nous tendons, c'est pourquoi moi je suis coach, nous tendons à enseigner comment il faut refaire les choses pour que nous puissions évoluer. Sinon, si on veut demeurer sur ce qui est depuis, ça ne vaut pas. Voyez vous-même. Vous allez dans un établissement du Togo actuellement. L'établissement qui est créé en 60. Jusqu'à présent, il n'y a pas un changement. Vous comparez quand on a créé l'établissement en 1960 et maintenant, des fois, mais ce n'est pas clôturé. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Or, 60 ans dans la vie d'une personne, vous voyez que la personne a vieilli. Donc, c'est là où nous pensons qu'il faut refaire les choses et reposer des bases. Et si nous faisons ça comme ça, vous voyez que le Togo ne peut que partir de bon pied et nous allons réellement être développés pour qu'on nous appelle vraiment des pays développés. D'accord, mais je voudrais revenir sur cette affaire du système éducatif. Et nous savons que dans les années précédentes, le Togo a occupé une place très importante dans la sous-région en matière éducative. Mais aujourd'hui, nous avons vu que ce n'est plus ça. Et qu'est-ce qui est vraiment à la base de ce recul, de ce constat amer que nous faisons aujourd'hui? Je pense qu'il y a un petit correctif, à part le Sénégal qui nous dépasse, qui est plus puissant que nous, nous demeurons toujours ce pays que tout le monde aime. Sauf que comme tu le dis, ce n'était pas comme le passé. Et ce n'est pas le système éducatif qui a fait ça, c'est notre détermination. Le Togolais, c'est quelqu'un qui n'est pas corrompu. Je ne veux pas de façon générale. Le Togolais, c'est quelqu'un qui n'est pas magouillard, malhonnête. Ce n'est pas dans nos cultures. Le Togolais ne reste pas sur place pour dire qu'il cherche. Non. Le Togolais, quand vous allez au Gabon, en RDC, même au Bénin ici, et dans les autres pays, c'est le Togolais qui prend la plupart des chantiers. Nous, on nous a inculqué cette culture d'apprendre un métier si je ne vais pas à l'école. On le fait. Et des fois, même quand tu finis les études, tu peux apprendre un métier, tu t'en sors. Donc, le Togolais fait ça. Donc, quand on le voit, il y a une anecdote qu'on m'a racontée de Gabon. On dit que l'année 2019-2020, les Béninois falsifiaient des cartes d'identité pour dire qu'ils sont des Togolais. Et quand on leur donne les chantiers, ils bouffent l'argent. Donc les Gabonais ont commencé par les tuer. Et c'est là où ils ont constaté qu'ils ne sont pas des Togolais. Parce que quand on donne l'argent aux Togolais, ils ne fuient pas. Mais le Béninois prend le chantier, il fuit avec l'argent. Donc il y a cette honnêteté que nous avons de par notre culture et nos parents, mais un coucou à eux, et qui ne nous ont pas appris à voler comme ça. On est déterminés. Donc il y a ce déterminisme toujours en nous. Qu'on a. Vous allez voir, les gens ont tendance à penser que en Europe, c'est comme si les examens sont faciles. Quand les Togolais quittent, ils vont là-bas, ils s'en sortent, ils peuvent même obtenir 2 ou 3 diplômes dans la même année. Donc, c'est que nous sommes, cette résilience en nous permet que quand on sort du pays, on ne peut que réussir. Donc, c'est cela que les autres voient et ils pensent que c'est notre éducation. Or, c'est tout, nous tous, sur les pays francophones, on a le système scolaire français. Le Bénin l'adopte, le Togo l'adopte, la Côte d'Ivoire l'adopte, tout le monde l'adopte. Mais c'est que ce n'est pas le système qui le fait, c'est que nous-mêmes, on est déterminés à t'en sortir. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Togo, quand on a dit les choses sur ce sujet,
Le taux de suicide dans les autres pays est plus élevé qu'au Togo. Le Togolais, même quand il n'arrive même à trouver qu'un seul repas par jour, il est content, il veut aller de l'avant. Voyez, donc c'est ce déterminisme que nos parents nous ont inculqué, ou culturel, je peux le dire, parce que c'est culturel, que ce soit le Kabyle, le Bassa, et veut tout cela. Voyez, le Togolais est déterminé à aller de l'avant. Donc c'est ça qui fait que on prie. Maintenant, pourquoi ça a reculé? Ce recul, c'est le moment où on a fait croire aux gens que c'est en étant dans le bureau que c'est mieux, et tout le monde s'est adopté à ça. Les Togolais avaient pensé que quand j'aurais plus de diplôme, j'aurais un bon emploi. Et tout le monde a cherché à être plus diplômé. Et c'est cela. On a vu maintenant qu'on est diplômé, on n'est plus compétitif sur le marché. Et c'est ça qui a fait ce recul. Sinon, l'entrepreneur qui est venu, et que si le gouvernement le comprend et aide les jeunes, quand tout le monde va entreprendre, parce que c'est le secteur privé qui donne de l'aile au secteur public. Vous allez aux États-Unis, en France, c'est quand le privé est à l'aise que le public est à l'aise. Malheureusement, l'État a ce mécanisme où il y a trop de gratuité ces derniers mois-là. Et parce que quand moi, je crée une entreprise qui doit fournir un produit et on rend ce produit gratuit, vous voyez que je dois quand même couler. Parce que l'État, en faisant ça, nuit à moi, mon entreprise. Donc, c'est comme si l'État ne contacte pas les gens du secteur entrepreneurial plutôt, avant de prendre des yeux. Sinon, si tous les acteurs sont réunis, il y a des choses qu'on ne devait pas faire, parce que la gratuité nuit et rend les gens paresseux. Quand tu tends la main, c'est que on te donne, tu vas en bas et on te piétine. Alors que si c'est compétitif, je dois payer, je dois investir sur moi-même. C'est que je dis, le droit personnel te demande que tu investis sur toi en payant tes propres choses, en ne tendant pas la main à quelqu'un pour évoluer. C'est en cela que l'État doit remédier pour que tout le monde sache qu'il faut que j'investisse sur moi. Et quand j'investis, je fais évoluer l'entreprise de quelqu'un, j'achète des produits de quelqu'un, je consomme le produit de quelqu'un, le pays ne peut que évoluer. D'accord. Je voudrais rappeler encore une fois le thème de notre rencontre de cet après-midi à nos téléspectateurs. 62 ans après l'indépendance du Togo, quel système éducatif? Donc voilà le thème, et je suis là avec coach Aklesor, et nous sommes en train de parler de ce système éducatif, et vous l'avez bien suivi, il a donné les détails, il a donné ce qui constitue des handicaps qui font qu'on n'évolue pas dans le système là. Et j'ai quand même retenu quelque chose dans son intervention de tout à l'heure. Le Togolais, c'est quelqu'un qui est déterminé. Le Togolais, c'est quelqu'un qui est travailleur. Et je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous ces jeunes qui se battent nuit et jour pour un lendemain meilleur, pour un futur glorieux, de continuer toujours pas le faire, parce que ça perd toujours. Et on dit tout effort est couronné de succès. Donc, écoute, je sais que nous avons un hymne national, et dans cet hymne, il y a des phrases ou bien des vers, et qui ces phrases là nous interpelle. C'est des phrases, c'est des recommandations. Et je voudrais normalement et appuyer sur une phrase. On dit Togolais, viens, bâtissons la cité. Est-ce que le Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous avons cette envie de bâtir cette cité? Je pense que quand vous lisez toutes les phrases, pour ne pas dire les rimes, qui sont dans notre hymne, vous voyez que ce n'est que des phrases de motivation. Oui. Bâtissons la cité, nous sommes prêts, le Togolais est prêt à bâtir sa cité. Mais une cité bien bâtie, c'est par rapport au matériel et aux ouvriers de qualité. C'est là où les gens ont besoin de vrai matériel pour bâtir la cité. C'est ce qu'on ne leur donne pas. Les gens ont besoin de qualité pour bâtir la cité. On ne leur donne pas. On laisse ceux qui ont des qualités pour bâtir la cité pour aller prendre d'autres personnes. Non, on va bâtir une nouvelle cité. Donc, je dis, il dit même que vaincons ou nous mourrons, mais dans la dignité. Oui. Parce que on nous dit que quoi que nous allons faire, il faut être digne. Oui. Donc, si on ne prend pas les gens dignes, les gens méritants pour faire les choses, c'est normal que la cité ne sera pas bien bâtie. Donc, nous sommes prêts. Tous les Togolais sont prêts pour bâtir sa cité, mais qu'on donne de vrais matériaux et qu'on donne des gens de qualification, qu'on prenne plutôt des gens qui ont des qualifications nécessaires, pas en utilisant tout le monde sous prétexte que je le connais, c'est mon frère. Non, nous ne voulons pas de l'inspiration, nous ne faisons pas de spoil system où on prend des gens qu'on connaît, mais on veut de la méritocratie.
des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que le pays évolue. Donc, la cité, on la bâtira, mais donnons-nous ou donnez-nous de bons matériaux pour qu'on le fasse. Et ça vous engage de bâtir cette cité parce que vous êtes coach et vous intervenez dans le domaine de formation. Maintenant, comme nous sommes en train de parler de l'éducation, je voudrais que nous fassions une nuance entre la formation et l'éducation. Comme je le dis, quand on prend l'éducation d'une manière générale, il y a la formation dans l'éducation. La différence que nous mettons souvent, c'est entre l'instruction ou l'enseignement et la formation. Oui. Donc l'éducation regroupe à la fois l'enseignement ou l'instruction et la formation. Donc quand on éduque, il y a la formation depuis la maison, comment entretenir une maison, comment faire ceci, plus l'instruction, c'est ça qui constitue ensemble l'éducation dont on parle. Donc d'autres le mettent, ou les intellectuels essaient de le mettre de côté, mais c'est pas bien, ce n'est pas cela. Parce que quand vous vérifiez nos parents, ou bien prenons les chefs d'un village qui juge, et le juge de la cour d'appel ou du palais. Ouais, la différence entre les deux, c'est que le juge du palais a appris une autre langue que le chef du village. Mais pour rendre, des fois, les jugements de nos chefs sont plus justes que ce que la justice fait. Et il est difficile que les gens sortent du palais ou de la cour du chef frustrés. Mais les gens sortent du palais frustrés parce qu'ils ont manqué de preuves. Parce que c'est la théorie de la preuve au niveau de la justice étatique. Mais la justice traditionnelle, le chef des fois consomme les esprits pour qu'on lui donne réellement ce qu'il doit. Et les gens sont plus ou moins satisfaits quand il s'agit de la justice traditionnelle que de la justice étatique. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire. C'est comme ça aussi l'éducation qu'on donne, ou ce qu'on, les valeurs qu'on transmet à la maison ou dans nos villages, constitue également une sorte d'éducation qu'il faut ajouter à l'instruction pour voir l'éducation proprement dite. Donc la différence, c'est que ce n'est pas l'éducation qui est à l'école, mais c'est l'instruction ou l'enseignement. Et on apprend les valeurs de la maison que les parents donnent, pour c'est les deux là qui constituent ce que nous appelons en réalité l'éducation. D'accord, si nous prenons la devise du Togo, travail, liberté, patrie, donc nous allons nous intéresser à ces trois thèmes. Nous allons d'abord prendre le travail, et après nous prendrons liberté et patrie. Maintenant, et comment travailler? Non, le travail est défini comme une activité qui permet d'être rémunéré ou à la suite duquel on est rémunéré. Et sur ça, tout le monde travaille au Togo. J'ai eu un débat avec l'ancien directeur des emplois du Togo, où je me dis que les gens chôment trop au Togo. Et il m'a fait une phrase qu'on ne chôme pas au Togo. Et ça m'a fait rire, mais après j'ai compris qu'il a raison. On a cherché au Togo quelqu'un qui ne travaille pas durant 24 heures, il ne fait rien, on n'a pas trouvé. Et que le Togolais se lève, il ne reste pas sur place. Or, dans le Bureau international du travail, le critère de dire que quelqu'un chôme, c'est que quelqu'un qui ne fait rien durant 72 heures et qui a la carte de demandeur d'emploi et qui a son diplôme. Donc, quand on vérifie ces trois critères, le Togolais, on n'a pas trouvé au Togo. Il n'y a pas de chômeur en réalité. C'est que il y a des sous-emplois au Togo. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais le Togolais ne peut pas rester à la maison 24 heures. Vous n'allez pas trouver. Il sort pour faire une activité. Ce qu'il gagne, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Mais c'est que pour dire qu'il est vraiment chômeur, il doit rester sur place et avoir une carte de demandeur d'emploi et ne rien faire. Mais vous n'allez jamais trouver tout. Même les filles, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. C'est que ce qu'on gagne, c'est dérisoire. Mais on fait quand même un travail. C'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Maintenant, si c'est dans ce cas, tout le monde fait le sous-emploi au Togo. Mais pour dire qu'on ne travaille pas, c'est faux. On travaille. Mais la loi, comment on doit avoir un travail? C'est que c'est un salaire par rapport au travail que fait. C'est ce qu'on ne gagne pas. Il y a des gens qui font des boulots de 35 000, 40 000. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas par rapport à leur diplôme. C'est ça que les gens rejettent. C'est le sous-emploi. C'est pourquoi ils sont rémunérés, mais ils ne sont pas rémunérés par rapport à leur diplôme ou par rapport au travail fourni. C'est ça que nous combattons. Mais ce qu'ils font s'appelle aussi travail. Ça s'appelle aussi travail. Peu importe le qualificatif qu'on peut lui donner, c'est un travail. Ce que nous voulons maintenant, il faudrait qu'on le fasse. Quand tu embauches quelqu'un, que tu le paies au moins ce qui mérite, ce que la personne mérite, ce qui s'approche au moins son diplôme. Quand vous lisez la convention collective,
il y a les salaires par rapport au niveau du travail qu'on fait. Le DG, ce qu'il doit obtenir, le secrétaire, ce qu'il doit obtenir, par exemple, le bac plus 2, tout ça là, où le BPC ont leur diplôme, ont leur salaire. C'est pourquoi ce que nous appelons SMIC, en réalité, c'est diplôme zéro. Quelqu'un qui n'a pas encore un diplôme, c'est lui qui doit prendre les 35 000 qu'on donne comme SMIC. Mais malheureusement, les bacheliers, les ceux qui ont la licence sont aussi payés et à ce salaire. C'est ça que l'on déploie. Et c'est ce qu'on combat. L'employeur pense que c'est qui n'a pas les moyens. Or, la première richesse d'une entreprise, c'est son employé. Quand vous l'entretenez bien, l'entreprise grandit. Et c'est lui qui peut vendre ton entreprise à quelqu'un, qui peut donner les secrets de ton employé à quelqu'un. Quand il est maltraité, c'est normal que ton entreprise n'évolue pas. Mais les jeunes entrepreneurs ne comprennent pas ça pour le moment. Et c'est ce que nous disons. Nous luttons pour que le jour où ils le comprendront, on va décoller réellement dans l'entrepreneuriat. Parce que d'abord, vous allez voir, le problème de chômage actuel, c'est que l'employeur ne peut pas avoir un contrat avec l'employé. Il a peur que si j'ai un contrat avec lui, je perds. Or, quand tu n'as pas de contrat avec lui, quand tu es mieux ailleurs, il part. Mmh. Maintenant, l'employé aussi ne veut pas aussi rester sur place. Il veut comment toucher à tout. Et c'est ça que lui aussi a des soucis. S'il a un contrat, il est protégé. Et quand il a un contrat, l'employeur aussi est protégé. Donc, même si quelqu'un veut le payer 100 000 quelque part, si j'ai un contrat d'un an avec lui, il est obligé de finir les 1 an chez moi avant d'aller chez l'autre. Donc, la précarité de l'emploi ou du travail, c'est parce que aucun acteur ne veut s'engager définitivement et honnêtement avec l'autre. C'est pourquoi il y a ce genre de précarité. Et maintenant, abordons la liberté. La liberté, c'est que j'ai le choix de faire ce que je veux tout en assumant le choix de ce que je fais. Ça voudrait dire que on ne doit pas mélanger la liberté et le libertinage. Tu fais ce que tu veux, mais quand c'est sous le joug de la loi, que tu acceptes aussi être puni. Tu dois être responsable de tes actes. Mais les gens ne veulent pas être responsables. Ce qu'ils disent, surtout vous, les journalistes, vous dites les choses, mais quand vous vous attaquez, vous dites que non, personne n'est au-dessus de la loi. Le journalisme est le quatrième pouvoir, ou la presse est le quatrième pouvoir. Quand tu les exerces aussi, tous les pouvoirs sont punis. Il y a des sanctions pour tous les pouvoirs. Donc, tout ce que je dis ici, je m'engage vis-à-vis de l'État. Quand je dis qu'est-ce qu'on m'appelle, je dois dire qu'on me donne les lois qui me punissent par rapport à ce que je dis. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on ne doit pas me punir. Mais si je suis sous le joug de la loi, je dois aussi accepter d'être puni. Donc, la liberté, c'est accepter que les choses se fassent comme ça doit arriver, pas comme nous voulons, mais comme les lois le veulent. Maintenant, quand je dois impacter cette liberté par ma liberté, que j'accepte aussi que ce qui sort ou ce qui ressort de ce que moi je fais, je l'assume aussi. C'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté, ce n'est pas être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on le veut. C'est le faire comme on veut et assumer ce qu'on a fait. C'est ça la liberté. Quand on trouve un travail et on le fait mieux, c'est ça. Et mieux, et on est libre. Donc, si nous faisons cette équation et travail, liberté, là, quand on est libre, on peut avoir l'esprit tranquille pour bâtir une nation. Donc, c'est dans cette logique-là que je voudrais que... Dans, dans la logique du législateur, il s'est dit que celui qui travaille mange à sa faim. Oui. Celui qui fait un travail digne mange à sa faim et à l'aise socialement. Et donc, et il est automatiquement libre parce qu'il a un emploi. Et quand il a un emploi, qu'il vit décemment, il est logé, tout cela, il lutte pour que sa patrie ne tombe pas dans le joug des voleurs. Oui. Et il lutte sa patrie contre les envahisseurs. Oui. Mais quelqu'un qui a faim et qui ne mange pas, d'abord, il n'est pas libre parce que tout ce qu'il fera est contre la liberté et il ne peut pas vendre, il ne peut pas défendre sa patrie. Il va le vendre plus tôt. C'est là où, à quoi ça vous avez des djihadistes et tout ça là, parce que leur nation n'ont pas su les protéger. Et le djihadisme leur a donné un foyer, leur a donné un emploi, un travail. C'est pourquoi pour eux, ce qu'ils font, c'est digne. Ils ne verront jamais comme mal. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, tout citoyen qui travaille est libre et comme il est libre, il défend sa patrie, il construit sa patrie. C'est en cela que nous devons voir que les gens ne devraient pas chômer, ne doivent pas permettre le chômage. L'État doit faire tout pour que le chômage, l'État doit promouvoir l'emploi, l'État doit promouvoir l'emploi décent, le travail décent, hein, pour que chaque citoyen qui est bien payé puisse construire efficacement la cité. D'accord. Et si nous parlons toujours de l'éducation, comme vous venez de le dire, il y a quatre types d'éducation et vous l'avez si bien dit. Mais nous voudrions que cette éducation en question, l'éducation, les quatre éléments là, les quatre champs dont vous venez de parler. Et je voudrais que tous ceux qui nous suivent
puisse avoir une notion particulière sur cela pour que le pays dans lequel nous sommes, avec cet anniversaire, bon, on le dit communément, cette bougie, et de plus que la nation souffre actuellement, soit pour nous la clé d'un lendemain meilleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togolais, pour que les étudiants, les apprenants, les élèves puissent avoir une éducation digne de ce nom pour construire cette cité dans laquelle nous sommes? D'abord, il faut changer le système d'éducation. Et que qu'on ne prenne pas comme si pour aller apprendre un métier, c'est quand on a un chèque scolaire qu'il faut aller apprendre un métier. Non. On devait même instaurer 1 heure ou 2 heures dans la semaine, pour ne pas dire dans la journée, pour permettre, on dit qu'il y avait ça avant, quelqu'un qui va à l'école puisse aller aussi apprendre un métier en même temps. Quand il finit, il a à la fois un diplôme professionnel, il a un diplôme académique. Donc, il peut, à partir de là, avoir un projet de développement ou un projet d'entrepreneuriat. Il sort, si j'ai appris la coiffure, ou que je sors, je peux créer un salon où je réunis tous ceux qui ont appris la coiffure. Maintenant, on vient faire chez moi ça comme un salon et c'est une entreprise. Si j'ai appris la couture, je réunis tous ceux qui ont fait la couture. Maintenant, on sort des habits comme Made in Togo et qu'on puisse vendre. Donc, voilà comme ça on peut faire les choses. Il faut maintenant que les deux travaillent de côte à côte. Parce que vous voyez, c'est malheureux, mais c'est comme c'est quand les gens n'ont pas, ont raté l'école, qu'ils vont pour apprendre un métier. Quelqu'un peut avoir la licence et aller apprendre un métier. Ne serait-ce que pour nommer le président de la chambre régionale de métier, et par exemple, un véhicule RTG. Ouais, mais les gens ne savent pas, ceux qui ont appris le métier, ça va, ou les étudiants ne savent pas. Donc ça veut dire que si moi, aujourd'hui, j'apprends un métier, je peux postuler mon intellect, mon niveau intellectuel, mon niveau de tu peux me permettre aussi de rester là-bas. Or, quand le gars est véhiculé, je dis que ce n'est pas tout le monde qui construit RTG, mais ils sont véhiculés, ils ont un salaire. Donc, il faut, c'est une ouverture, mais les gens ne savent pas. Vous allez voir, le bar, quand vous allez dans la basse classe, vous verrez que c'est uniquement 80 à 90% de ceux qui sont des apprentis sont ceux qui n'ont pas un bon niveau scolaire. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. On pouvait même les rééduquer maintenant pour qu'on peut même, parce que les gens là comprennent, parce que éducation vient du latin éduquer. Donc, éduquer, ça voudrait dire seulement développer, faire sortir de, mettre hors. Donc, c'est ce qui est en la personne qu'on met en valeur. Et c'est l'instruction, c'est qui avait fait qu'on pensait qu'il faut mettre quelque chose en l'enfant. Non, il faut développer ce que la personne a. Donc, il faut revoir ces choses pour que, depuis le bas âge, tout ce que les gens ont, on ne peut que créer. Comment un petit Allemand de 10 ans peut fabriquer un ordinateur ou un portable et au même moment, quelqu'un qui a 60 ans au Togo et qui dit qu'il est scientifique ne peut rien faire? Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il faut refaire ces genre de choses. Parce que nos professeurs sont là pour caracoler, qu'ils sont quoi, mais rien du tout. Quand la crise, personne n'a proposé une solution, ils doivent rien. Non, rien. On dit qu'il y a manque d'huile. Ils n'ont pas prouvé d'être formés pour dire que non, il n'y a rien du tout. Donc, je pense qu'il faut revoir les choses. Et que depuis le bas âge jusqu'à maintenant, que ceux qui sortiront sont des gens qui créent des choses pour que ça permette qu'on ait plus de l'abondance. Et c'est quand on a l'abondance et qu'on vend à d'autres pays qu'on crée des richesses. C'est cela que ça doit. D'accord, merci. Nous avançons donc à la fin de cette émission sur la chaîne de la vraie différence. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'alors. Merci à mes collaborateurs. Merci à vous, coach. Votre mot de la fin aux téléspectateurs. Ce que je peux dire, Simon Bolivar a dit que si un peuple qui croit à la liberté finit par le devenir. Et Jésus, il a dit que si tu crois dans ton cœur que le grain de sénévé, si ta foi est comme le grain de sénévé, et que tu crois que tu peux soulever une montagne, tu vas le soulever, tu vas la soulever. Donc, si tu crois que tu peux faire quelque chose, tu vas le faire. L'entrepreneuriat, c'est facile. Développement, c'est facile. Tout ce que tu crois, c'est possible. Dieu a mis le pouvoir en l'air. Il suffit de sauter pour le voir et c'est la foi qui le permet. Comme moi, je suis chrétien, je ne suis pas musulman, je vais te dire que la Bible, pour moi, est un livre de développement personnel. David, que son papa ne reconnaît pas comme il est valeureux, est devenu roi. Parce que quand Samuel est venu le chercher, son papa a dit que non, voici tous ses enfants. On dit qu'il n'y a pas qu'un d'autre avant qu'il ne dit, voilà, Saül, que son papa ne reconnaît pas comme valeureux, lui a dit d'aller chercher les moutons. C'est lui aussi qui est devenu roi. Si c'est possible pour eux, c'est que c'est possible pour tout le monde et c'est possible pour toi aussi. Donc, mon souhait que nous devons tous devenir ce que nous voulons par la grâce de Dieu
Et tout le monde n'a qu'à croire à cela. Parce qu'on nous dit, Habakkuk 2, verset 3, que c'est une prophétie. Même si ça tarde, ça va arriver. Là, je vous prends comme un pasteur. Merci, coach pasteur. Ouais, être libre, ce n'est pas seulement de se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Et c'est avec cette déclaration que nous fermons les portes de ce palais. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.